Hey Matelot, ici Defroy, et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel pour réaliser une maison moderne sur Minecraft, celle que vous avez ici du coup. Hop, vous voyez une maison moderne très sympathique ma foi. Je vais vous faire un petit peu le tour quand même. Alors il s'agit d'une maison en forme de U en fait, quand on se regarde par-dessus la maison, ça fait une forme de U comme ça. Et ça nous avait été proposé, cette forme-là, par l'un d'entre vous en commentaire, donc n'hésitez pas à mettre aussi vos commentaires sur ce que vous voudriez voir en tuto. Attends, regardez, il y a même les piliers ici, il y a des pilotis en forme de V. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé cette technique-là, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça serait l'occasion. Donc voilà, n'hésitez pas à donner aussi vos avis, vos idées en commentaire, mettre un pouce bleu parce que c'est important. Voilà, avec les escaliers à l'extérieur aussi, comme vous pouvez le voir, de la structure. Moi j'aime bien. Allez, on se retrouve tout de suite pour le tuto. Et hop, voilà ce que ça donne sans les shaders, hein, du coup. Hein, vous avez compris au niveau de la structure, hein, il s'agit d'une forme de U avec différentes hauteurs en fonction des parties de la maison. Pourquoi pas, voilà. Alors, pour pouvoir réaliser cette maison-là, je vais vous donner les nombres de blocs dont vous allez avoir besoin. Hop, déjà dans un premier temps. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va venir reprendre en fait la forme de la maison au niveau du sol ici, ok. Donc ça c'est vraiment la forme au niveau du sol, youp, je vais vous montrer. Donc la partie en blanc ici, on va utiliser du quartz lisse du coup, pour faire toute la partie de la maison comme ça. Et on va la refaire ici, je vais vous donner les dimensions du coup pour réaliser tout ça. Ok, du coup maintenant, une fois que vous avez ça, au niveau du sol, on va remplir tout le milieu ici comme ça avec du quartz lisse. Du coup, on va remplacer l'herbe par du quartz. Ok, comme ça. Eh ben, allez. Hop. Alors, du coup, on a rempli toute la surface ici en quartz, et je me suis permis d'ailleurs de mettre aussi le plancher pour le deuxième étage, ou pour le premier étage, comme on veut. Donc du coup, pour réaliser cet étage là, je vais vous donner les dimensions bien sûr, mais évidemment l'idée c'est de revenir hop, au-dessus de ce coin là, vous prenez ce coin là, ou le coin là-bas, ça marche aussi, ou le coin là-bas, en fait voilà, il faut se faire exactement au-dessus, et vous le mettez à 2, 3, 4... 5 blocs de hauteur au-dessus du niveau du sol, d'accord? Vous laissez 4 blocs en dessous. Ok, une fois qu'on a ça, on va venir vous donner les dimensions. Ok. Et donc, bah, comme on avait fait juste en dessous, hein, on va venir remplir toute la surface ici avec du bloc de quartz lisse. Allez, hop. Hop, voilà. Une fois qu'on a rempli notre deuxième surface ici comme ça, on va mettre directement en place la surface, l'avant-dernière surface ici, donc le deuxième étage. Et eh bien on va encore une fois reprendre le coin ici, compter 1, 2, 3, 4, 5 blocs. On met notre premier bloc ici comme ça. Et vous voyez, hein, de manière générale, on est aligné avec les blocs d'en dessous, le coin d'en dessous. Pareil avec ce coin-là, enfin vous avez compris l'idée. Et donc une fois que vous avez ça, je vais vous donner les dimensions pour réaliser cet étage. Hop, et comme vous l'avez compris, hein, on remplit de la surface ici en quartz, hein, comme d'habitude. Youp, ok. Et ben pareil, du coup, on rajoute le dernier étage ici. Donc le dernier étage, là, il faut prendre les coins qu'il y a à ce niveau-là, ok. Et comptez pareil, 1, 2, 3, 4, 5 blocs, encore une fois. Et vous mettez votre surface à ce niveau-là. Qui est donc juste au-dessus des coins qu'on a en dessous, hein, voyez. Ici, comme ça. Hop, je vais vous donner les dimensions. Et
vous avez compris l'idée, on refait la surface en quartz, etc, etc. Hop, et voilà, donc du coup maintenant on a mis toutes les surfaces pour pouvoir réaliser notre maison, c'est déjà un bon point. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir mettre des espèces de murs, vous voyez, ici là sur le côté, on a des le toit en fait qui se relie au plancher, et donc c'est ce qu'on va faire. Donc vous prenez l'extrémité ici de votre maison, ok, et on va faire tout un mur à ce niveau là. Youp, hop, voilà. Et on va faire la même chose du coup en face de la maison à ce niveau là ici, vous voyez, donc sur cette ligne là, hein, et hop, on relie avec le bas, ok, donc jusque là, voilà, hop, ok. Une fois qu'on a ça, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir youp sur la petite partie à ce niveau là ici, ok, et on va faire pareil, un mur en quartz sur toute la longueur. Voilà. Et donc, une fois qu'on a ça, on va rajouter quelques murs en fait en plus. Hop, on va venir sur le côté ici, vous voyez, juste à côté de notre mur qu'on vient de faire. Et on va mettre une ligne comme ça de blocs sur le sol, sur 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs. Ok. Attendez, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, d'accord, attends, sur 8 blocs. Pardon. Et on va venir... Hop, monter le mur, mais pas jusqu'au plafond, hop. En fait, on va laisser un bloc d'espace ici, comme ça, ok. On va venir sur le côté du mur ici, et on va creuser 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs ici aussi, comme ça, ok. Et on va venir utiliser, en fait, les dalles de quartz, des dalles de quartz lisse, hop, comme ça. Et on va venir les mettre ici, youp, voilà, pour avoir une espèce de petite ouverture slash fenêtre, toute fine, toute longue, comme ça, dans le mur ici, ok. Voilà, c'est un effet de style assez intéressant. On va venir, du coup, maintenant, sur cette partie-là, ici, là-bas, ok. On va venir mettre notre premier bloc de quartz lisse, ici, comme ça, juste au niveau du dessus du coin, ok. Et on va compter 17 blocs sur la longueur, comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 blocs sur la longueur. Et on va venir faire, sur les deux premiers blocs ici, un mur tout jusqu'en haut. Et sur tout le reste, on va laisser un bloc de marge par rapport au toit. Ok ? Comme ça. Et évidemment, on va faire comme on avait fait juste avant, c'est-à-dire avec des dalles. Hop, et on va venir les mettre sur la longueur ici, comme ça. Vous voyez, c'est encore cette espèce de fenêtre toute fine comme ça, que moi j'aime bien, vous voyez. On va faire une troisième chose, qui sera du coup au niveau du toit, ici, ok. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir rajouter une ligne de blocs de quartz ici comme ça, ok. Et on va venir rajouter des dalles, hop, dans ce sens-là, sur la partie haute, vous voyez, du bloc ici comme ça, sur 2, 3, 4 blocs de large, ok, et ce sur toute la longueur de notre toit, en fait, tout simplement. Et hop, on prolonge comme ça, hop, voilà. Et donc vous voyez ce que ça donne pour l'instant, ce qui donne une structure un petit peu bizarre, mais bon, ça avance. On va utiliser les escaliers en quartz maintenant, comme ça on aura véritablement fini avec le quartz. Et on va venir mettre deux escaliers plus les piliers, parce que si vous vous rappelez bien, du coup, vous voyez, les piliers ici, ils sont en escalier. Alors, le premier escalier, ça va être celui qui va nous permettre de monter au premier étage. On va le mettre ici, là, vous voyez, au niveau du bord de ce mur, à ce niveau-là. Pouf, 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 sur 4 blocs de large, hein, d'accord. Et puis, on va le faire descendre jusqu'au sol en mettant des escaliers en dessous, bien sûr. Hop, pour que ce soit plus joli. Hop, hop. Hop, 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 je dis, voilà, youp, paf, 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 pouf, et hop, c'est bon. Et on va faire le même escalier, voyez-vous, mais à ce niveau-là, vous voyez, pouf, pouf, ici. Donc l'idée, c'est que vous vous mettez sur le bord de votre terrasse, ici, et on se met, hop, 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 à mettre un escalier ici, comme ça, et pareil, on le fait descendre juste... qu'en bas, hop, en se mettant à l'endroit à l'envers, hop, ça peut donner le tournis,
C'est juste un bonus. C'est un bonus. Allez, paf, paf, paf. Non, j'ai dit paf, pouf, voilà. Et une fois qu'on a mis nos deux escaliers, eh bien, on va pouvoir mettre les piliers sous la terrasse, à ce niveau-là, sous la maison plus exactement. Donc, on va se mettre boing, boing. Alors, la maison, normalement, elle est paire, je crois. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ouais, voilà. Donc, l'idée étant de prendre le coin à l'arrière de la maison, vous voyez, hein, le coin le plus à l'arrière, et de compter 6 blocs sur le côté. 2, 3, 4, 5, 6, ok, et de 6 blocs vers le devant. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, et paf. Ouais, ou alors juste au sixième bloc, directement. Et on fait la même chose, on remet des escaliers à l'endroit à l'envers. Hop. Yop. Ok, paf. 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 Pouf, voilà. Très bien. Une fois qu'on a ça, on refait exactement le même sur le côté à 6 blocs de décalage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, et pouf. Et on refait la même chose. Hop, voilà. Est-ce que c'est pas joli ça? Donc voilà, on en a fini pour la structure en quartz, en tout cas pour avant les finitions. Hein. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre les murs ici comme ça. Ce qui va pas être bien difficile parce que vous allez voir, ils sont tous les uns au-dessus des autres. Donc une fois qu'on aura fait les deux premiers étages, en fait, bah, ça sera très rapide. Allez. Et hop, donc j'ai mis les murs pour le premier étage. J'ai mis l'emplacement des murs et je vais vous donner les dimensions. Du coup, il faudra partir de notre petit muret ici, ok. Et on va partir ici comme ça avec du béton gris. Ok, les emplacements évidemment entre les morceaux de mur, ce seront les fenêtres et les portes. Alors, on va partir comme ça, d'accord, sur notre coin, et on va compter 5 blocs ici comme ça de béton gris en plein milieu, d'accord. Ici, on laisse un trou de 4. Ici, on met une barre de 6 blocs de béton. Juste derrière, on en met 4 de trous. 7 blocs de béton en ligne, ok. Ici, sur le côté, on en met 4 de trous. 5, 4, 5, 4, et 5. Quelle surprise! Hop, ici, un petit crochet de 2. Ok, on fait un espace de 5. Normalement, si vous ne vous êtes pas trompé, vous devriez avoir 3 blocs de décalage par rapport au bord. Ok, donc 5 ici. On refait un petit... petite ligne de 2 blocs, et ici 5 à nouveau, ok. 4 de trous ici, 5 ici, 4 ici, et à ce moment là on fait une ligne de 7 blocs de béton dans ce sens là, on refait 4 blocs de trous ici, 5 blocs de béton en ligne ici, 4 ici, et re 4 jusqu'au mur. Ok, en laissant bien sûr un bloc de décalage par rapport au bord. Partout, évidemment, hein, ici aussi, de l'autre côté, là-bas. Ok, une fois qu'on a ça, du coup, on va monter les murs jusqu'au plafond. Paf, 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 etc., etc. Ok, voilà, comme ça, et pour tous les autres murs. Et pouf, vous voyez. Voilà, voilà. Donc, au niveau de cet étage-là, on va mettre des portes. Donc voilà, moi j'utilise des portes en bois, toujours, parce que j'aime bien. Et c'est vrai que, vous voyez, juste en dessous l'escalier, là, juste à côté, moi j'aime bien mettre des lignes de portes, comme ça. Ah, tiens, il y a Basté qui vient de nous rejoindre. J'aime bien mettre des lignes de portes, même si ça fait bizarre, hein, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça bizarre. Mais moi j'aime bien, donc je mets. Voilà. Donc, au-dessus de la porte, on va rajouter, du coup... des vitres, paf, 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 pouf, et on va rajouter des vitres aussi sur tout le reste, en fait, des parties ouvertes, hein, vous voyez, tout ici, là-bas, 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 etc., etc., on met des vitres partout, partout, voilà, ok, donc, bah allez, je vais faire ça, déjà, et hop, alors, bon, bah très bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les murs au niveau du premier étage. Et comme vous le voyez, en fait, eh bien, c'est le prolongement des murs d'en dessous, hein, tout simplement. Voilà, donc ça va être assez simple à mettre. On va
hop, tous les donner un par un. Sur notre ligne ici, on a, vous voyez, donc de décaler d'un bloc vers l'intérieur du mur, un seul bloc de béton, tout simplement. Ok, comme ça. On met 4 espaces, et on met une ligne de 5 blocs de béton ici. Ok. Hop, un espace de 4, et une ligne de 5, et vous arrivez pile poil ici. De l'autre côté, pareil, on met un bloc ici de béton, espacé d'un bloc du mur. On met une ligne de 4, on met une ligne de 5 blocs de béton, 4 espaces, 5 béton, 4 espaces, 7 blocs de béton, d'accord ? Ici, 2 blocs sur le côté. Ici, 5 blocs d'espace, ok. 3 blocs de béton, 6 blocs d'espace. Et après, on retombe sur notre fameux 5 blocs de béton, 4 d'espace, 5 de béton, 4 d'espace, 5 de béton, 4 et 3. Normalement, vous devriez avoir juste un bloc de décalage par rapport au bord. Si vous avez bien fait tout comme il faut. Ici, on a deux blocs ici. Ok, un espace de 4 au milieu. Deux blocs ici et 3 comme ça. 4 blocs d'espace ici. 5, 4 et 3 jusqu'au bord de notre mur ici. Et une fois qu'on a ça, on monte tous nos murs jusqu'au plafond en fait. Évidemment, on peut aussi rajouter des vitres entre les murs bien évidemment. Hein. Youp. Alors, il y aura juste un espace où il n'y aura pas de vitres vu qu'il y aura une porte d'entrée. Hop, qui nous mènera à la terrasse. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je finis ça rapidement. Hop, voilà. Donc. À côté de notre escalier ici, là, vous voyez cet espace-là, il sera vide, il va rester vide, sauf peut-être au niveau du plafond. Hop. Et voilà, ce sera l'entrée tout simplement pour aller dans la maison. Et ici, pareil, ce sera une fenêtre, d'accord? Donc une fois qu'on a ça, ben, il suffit de refaire, hop, les murs et tout ça jusqu'au plafond. Allez, hop. Hop. Alors, une fois qu'on a ça, du coup, ce qu'on peut faire pour rajouter plus de détails, plus de cohérence, en fait, c'est on revient au niveau du premier étage et on peut rajouter en fait des vitres, vous voyez, à ce niveau-là, pour pouvoir, hop, boucher un petit peu le trou qu'on avait laissé avec la dalle, avec la ligne de dalle ici, ok ? C'est pas obligatoire, hein, sur Minecraft. On peut faire sans dans le sens où les zombies ne vont pas venir passer par ce trou-là, vous voyez. Donc vous ne serez pas attaqué par les créatures de Minecraft si jamais vous laissez ça ouvert. Donc par contre, effectivement, laisser une grande ouverture comme ça ici, c'est déjà beaucoup moins logique. Mais enfin bon, bref, c'est pas le problème. On va faire les murs du troisième et dernier étage. Hop. Alors, une fois qu'on a... Enfin, je vais vous donner les dimensions, tout simplement. On va partir du bord ici, vous voyez, du bord. Joli bord. On va laisser deux blocs d'espace par rapport au mur. On va faire une ligne de 6 blocs de béton, ok. L'idée étant de faire la même... arriver au même endroit que celui d'en dessous, hein, ok. 4 blocs d'espace, 5 de béton, 4 d'espace, 5 de béton, 4 d'espace, et oh mon dieu, essayez de deviner le nombre de blocs qu'il y a ici. 5, pour ceux qui ne... voilà. 3 ici sur le côté, d'accord. 2 blocs ici, 3 ici sur le côté, et la même chose ici, 5 là, et la même chose ici en fait. La ligne qu'on a mis ici, ça va être exactement la même chose là. Vous voyez, vous avez les murs et les espaces qui sont alignés les uns les autres. Donc, une fois qu'on a ça, on va venir ajouter les fenêtres qui vont avoir les emplacements, youp, entre les murs évidemment, hein, comme d'habitude, hop, comme ça, ici. Hop, alors attends, non, paf, 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 paf. Ici, là, ce sera des portes, ok. Et hop. Ici, pareil, des fenêtres. Ici, de l'autre côté aussi, pareil, hein, vous avez compris l'idée. Et maintenant, il suffit de refaire la même chose ici, comme ça, mais sur les 3 blocs de hauteur jusqu'au plafond. Enfin, les 4 blocs de hauteur, justement. Allez-y.
Hop, donc, eh bien voilà, on a fini la structure de la maison. Maintenant, il nous reste à faire les finitions de la maison. Et on va faire l'espèce de... Pas le jardin, mais comment va-t-on dire ça? Le water feature, si on veut. Ici, là, vous voyez. On va utiliser du coup du gravier, ok, de la polystandésite, dans la pierre noire polie. Je sais pas comment ça se dit en français exactement. On va prendre du béton bleu clair. Et on va prendre de l'eau. Bon, j'ai pas d'eau avec moi. Hop. Alors. Youp. L'idée. L'idée, comme vous le savez, comme je disais, c'était d'avoir un U. Quand on regarde de haut, la maison de haut. Et donc, l'idée, c'est que l'on va faire venir notre espèce de petit water feature en gravier jusqu'à la même hauteur que l'autre partie de la maison. D'accord? La même longueur, je devrais dire. Donc, on va venir faire un trou comme ça. Alors non, pas ici. Hop, jusque là, pile poil. Alors, ça vous fait 18 blocs de longueur au total, hein, partant du mur là-bas. Ok? Donc, on va faire un sillon, youp, jusque la même largeur que la maison là-bas. Hein, on relie par là et on se réaligne avec le mur. Hop, ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever toute la surface d'herbe à ce niveau-là. Hop. Une fois qu'on a ça, on va venir utiliser le gravier et on va venir mettre des bandes de 3 blocs de gravier sur le côté, ici comme ça. Hop, ok, sur toute la longueur. Et on va mettre une bande de gravier de 4 blocs de long sur le fond. Hop, oui, donc on fait 3 blocs sur le côté et ici sur le fond, on va en mettre 2, 3, 4. Ok, 4 de large. Allez hop. Évidemment, la même chose de l'autre côté là-bas, on va en mettre 3 sur le côté. Hop. Une fois qu'on a ça, vous avez compris l'idée, on utilise les dalles en pierre noire, youp, et on les met ici sur le côté du gravier, voilà. Une fois qu'on a ça, on va venir creuser dans la terre ici, vous voyez, jusqu'à un bloc de profondeur, et on va remplacer la terre par du béton bleu. Hop. Hop, voilà. Ok. Ben, on rajoute de l'eau par-dessus, voilà, ça nous fait un petit bassin design pout-pout, vous voyez. Nickel, on aime bien. On aime le design pout-pout. Alors, une fois qu'on a ça, du coup, on va venir utiliser les blocs de polished diorite, donc de la diorite polie. Ok, et on va venir mettre des bandes devant nos escaliers et notre porte d'entrée, finalement. Ok, on va venir s'espacer d'un bloc à chaque fois pour faire des espèces de massages piétons. Pour symboliser vraiment un chemin qui monte à notre escalier. On va faire la même chose devant nos portes d'entrée. Hop, voilà, quasiment. Et donc, on a effectivement un décalage, vous voyez, entre nos passages piétons devant l'escalier et devant les portes d'entrée. Hop. Youp, 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 youp. Ce qui donne un côté sympathique. On voit que c'est bel et bien deux chemins distincts, vous voyez. Alors, maintenant qu'on est arrivé là, on va faire véritablement les finitions de la maison et on va venir mettre en place les bronzates. Vous savez, moi j'aime bien les bronzates. Bon tiens, on peut faire le toit aussi d'ailleurs, il est rapide à faire le toit, donc comme ça on va le faire aussi. Alors l'idée c'est de prendre des panneaux solaires, hein, des daylight detectors, des capteurs de lumière, t'appelles ça comme tu veux. Hop, et on se met ici. On va en utiliser une trentaine, je sais plus exactement combien. Et on va faire une ligne comme ça de blocs de panneaux solaires, voilà, espacés de 3-4 blocs du bord du mur ici, sur combien on va faire de longueur, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 par exemple, ok, ça me paraît bien. Et alors l'idée c'est aussi de les mettre en mode nuit, comme ça on a plus l'impression de véritables panneaux solaires, d'accord. Une autre petite astuce d'ailleurs est d'enlever les blocs qu'il y a en dessous, les panneaux solaires, parce que les panneaux solaires sont des blocs transparents et qui laissent passer la lumière. Donc du coup, en enlevant les blocs en dessous, ça nous fait comme si on avait une fenêtre supplémentaire. Ce qui est pas mal. On va utiliser du coup les feuilles que je viens d'enlever de mon inventaire, je suis très doué. Hop, comme ça. Et on va les mettre ici, hop, voilà. Les faire pendre un petit peu du bord de la maison. Ma foi, voilà. Ça va être pas mal.
Une fois qu'on a ça, on va venir mettre les bronzates, du coup, les fameux. Alors, ici, notre sol est très très blanc, et donc ce qu'on va utiliser, ce sont des escaliers et des dalles noires, de pierre noire, ok, pour pouvoir faire des transats, du coup, qui ressortent vachement du sol pour avoir un contraste élevé. Et on va mettre, voilà, quelques transats comme ça. Paf, 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 paf. Vous voyez, ça rend plutôt bien. On va utiliser un petit peu de barrière en bois ainsi que de feuilles de chêne. Et on va venir mettre, alors, 1, 2, 3, paf, 1, 2, 3, paf, 1, 2, 3, paf. Ici, des barrières avec des feuilles par-dessus pour faire un petit peu de végétation. Ok, ce qui rend bien. On va utiliser du coup les escaliers encore en pierre lisse, du coup on va les mettre genre ici et on va faire une véritable table, une table d'extérieur, vous voyez comme ça on les met des escaliers en face l'un de l'autre et on va rajouter une ligne de barrière par dessus et des petites plaques de pression, hop, comme ça pour faire vraiment table de pique-nique, d'extérieur, tout ça, ok. On va faire un truc un petit peu différent ici. On va utiliser en réalité, hop, des escaliers et on va utiliser aussi du béton bleu. Et oui. Alors, le béton bleu, on va l'incruster dans le sol de la maison. Ce qui va faire que, vu d'en dessous, eh bien, vous n'avez rien vu parce que j'ai mis des dalles, en fait. Vous voyez, j'ai tapissé tout le mur, enfin, tout le plafond de dalles. Et donc, du coup, on ne voit pas le béton. Et donc c'est ce qu'il faudra faire juste après en fait. Ah oui, j'ai oublié le tapis. Alors, ici, vous le voyez, à côté de notre transat, il y a un grand espace que l'on peut utiliser pour faire des choses. Et donc pourquoi pas mettre un tapis, tout simplement, voilà, qui utilise l'espace. Un tapis gris, j'ai essayé plein de couleurs différentes. Et le gris est ce qui passe bien parce que c'est un peu dans le même ton de couleur que le reste de la maison. Alors, on va venir utiliser les escaliers de quartz, du coup, à partir de ce coin là-bas. On va venir compter à partir de ce coin-là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs. Et au 8e bloc, on va mettre un escalier comme ça sur 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs de large. Ok, et on va venir faire un grand carré, enfin un grand rectangle plutôt. Hop, on va juste laisser 1, 2, 3, 4, 5 blocs de marge par rapport au bord du toit de l'autre côté. Et on va venir mettre des escaliers comme ça. Et on les remet après comme ça. Ok. On fait un grand carré comme ça. Alors, dans ce grand carré, on va venir enlever tout le quartz qu'on a mis ici. Hop. Et on va rajouter du béton bleu à la place. Hop. Vous voyez. Et une fois qu'on a ça, ben évidemment, on rajoute de l'eau. Hop. Et ce qui est bien avec les escaliers, c'est que du coup, vous voyez, on peut vraiment mettre de l'eau dessus, ce qui nous permet d'avoir juste un bord de piscine extrêmement fin, en fait. Et on met de l'eau partout. Hop, voilà. Et donc, notre bord de piscine, il ne fait véritablement qu'un demi-bloc, en fait, de long. Ce qui est plutôt pas mal, ça nous fait une piscine vraiment fine. Une fois qu'on a ça, du coup, on va pouvoir aussi aller en dessous de notre... enfin, à l'intérieur de la maison. Et vous voyez que là, bah, on a du coup du béton bleu qui suinte, qui transpire. Et donc, ça fait pas terrible. Ce que l'on va faire, du coup, c'est qu'on va rajouter des lignes comme ça de dalles sur tout le long de la maison. Parce que, évidemment, hop, si on mettait des dalles uniquement en dessous du béton bleu, eh bien, on verrait quelque chose d'un peu bizarre. On verrait que les dalles ont été mises là exprès pour cacher le béton, vous voyez. Alors que si on met des dalles absolument partout, eh bien du coup ça ne se voit plus. Ok, allez on fait ça. Hop, bon, eh bien vous voyez que c'est tout de suite beaucoup plus propre. Alors, boing, boing, boing. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir mettre un petit peu d'aménagement autour de notre piscine à ce niveau-là. Parce que quand même, une piscine sans transat, c'est un petit peu triste. Donc on va mettre les transats vers la piscine, comme ça.
Hop. Ah, j'ai pas des dalles. Hop, j'ai des dalles. Pouf, 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 pouf. Alors, une fois qu'on a ça, on va venir rajouter quand même un petit peu de verdure, de végétation. On va les espacer de 3 blocs, vous voyez, les espèces de petits arbustes. Comme ça, voilà. Pourquoi 3 blocs ? Pourquoi pas ? Voilà. Très bien. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. On va rajouter des arbustes aussi. Hop, 1, 2, 3, paf, 1, 2, 3, paf, 1, 2, 3, paf. Hop, est-ce que j'ai oublié quelque chose à la maison ? Je vais regarder rapidement. Oui, j'ai évidemment oublié les espèces de petits arbustes ici comme ça sur le côté. Ok, donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir utiliser les barrières en bois. On va venir genre ici, là, mettre avec 4-5 blocs d'espace par rapport au gravier ici. Et on va venir mettre des barrières sur 3 blocs de haut. On va les espacer de 5 blocs, 3, 4, 5, paf, chacune, 1, 2, 3, 4, 5, paf, paf, j'ai dit, 2, 3, 4, 5, hop, voilà, jusqu'à l'arrière de la maison, on en met combien, 6 au total, pourquoi pas, et on va venir ajouter des feuilles par-dessus ces barrières-là, jusqu'à 5 blocs de hauteur de feuilles, 3, 4, 5, ok, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, etc, etc, hop, hop. Alors, une fois qu'on a ça, eh bien, on a quasiment fini. Hein, ça nous fait notre plot en fait, finalement, presque. On va venir utiliser les roses pour donner un petit peu de couleur, et on va venir compter le bloc qu'il y a au milieu. Vous savez, avec l'espace de 5 blocs, il y a un bloc en plein milieu, et on va venir sur le devant ici comme ça, mettre un rosier. Paf, 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 paf. Ok, pour avoir un petit peu de couleur. Et voilà ce que ça donne du coup notre belle maison moderne sur Minecraft. N'hésitez pas à donner vos avis, à mettre des pouces bleus, à mettre des commentaires. Et on se retrouve la prochaine fois pour une énorme, une gigantesque, un truc de ouf, une villa moderne, un peu dans le même style que celle-ci, mais en taille x50, vous voyez, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande, parce que je sais que vous aimez ça, les grandes, grandes, grandes villas, et moi j'étais inspiré sur le coup, donc voilà. La prochaine fois, une énorme villa moderne sur Minecraft, beaucoup plus grande que celle-ci. On se retrouve la prochaine fois du coup, bon jeu à tous, bon vent matelot, et à la prochaine !